Bonjour et bienvenue dans les vidéos de Spoken Stock. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est comment utiliser une mind map et surtout comment utiliser la fonction enregistrement d'une mind map dans Mindomo pour créer une carte mentale d'apprentissage des langues, une carte qui indique comment prononcer certaines phrases en italien. Donc ici, par exemple, j'ai déjà traduit la phrase visitons la ville, visitiamo la città, et l'apprenant peut simplement entendre la prononciation de cette phrase en cliquant sur le bouton ici. Visitiamo la città. Visitiamo la città, donc visitons la visitiamo ville. Visitiamo la città. Et nous allons faire la même chose pour cette ville est Rome, questa città è Roma. Alors comment s'y prend-on? D'abord, je sélectionne le sujet auquel je veux ajouter la prononciation. Donc je m'assure qu'il est bien sélectionné quand il est entouré d'un périmètre bleu comme celui-ci. Ensuite, je vais cliquer sur l'icône multimédia. Et je vais cliquer sur « Enregistreur », l'icône en forme de micro qui se trouve ici. Voilà. Et donc maintenant, j'ai mon enregistreur qui est prêt. Assurez-vous que votre micro est bien branché et que ce soit un micro de bonne qualité. Questa città è Roma. Questa città è Roma. Voilà. Et vous voyez que maintenant, une bande son est apparue dans mon sujet. Il suffit que je clique dessus pour « Questa città è Roma » entendre la prononciation de cette phrase. Il ne me reste plus qu'à faire la même chose pour chacun des sous-sujets de ma carte. Et donc, l'apprenant va bénéficier d'une carte mentale qui non seulement lui montre les images et les mots-clés relatifs à la visite de la ville, mais lui fait entendre aussi la prononciation correcte de chacune de ces expressions. C'est à vous. Bon travail!